traces de vie, Général. Les détecteurs sont posés, vous verrez si quelque chose s'approche. Je sais bien qu'il fait froid, R2, mais nous n'avons pas le choix. La princesse Leia s'inquiète pour Maître Luke. Tu as parfaitement raison. Nous devons trouver le capitaine Solo pour lui dire que Maître Luke n'est toujours pas rentré. Si le capitaine Solo n'est pas dans le hangar, alors il doit se trouver au centre de commande. Suis-moi. Ça a intérêt à être important parce que Chewie et moi, on file d'ici. Pardon? Je sais tout à fait où se trouve le centre de commande. J'ai emprunté un chemin plus agréable, c'est tout. Excusez-moi, la princesse Leia s'inquiète pour Maître Luke. Il n'est pas revenu. Il a peut-être oublié de pointer. Peu probable. Les speeders sont prêts? Pas encore. Nous avons du mal à les adapter au froid. Dans ce cas, sortons les Tauntauns. En calibrant ces tours de signalisation, nous pourrons renforcer le signal comlink de Luke et retrouver sa position. Si vous le dites, Général, allons-y. De nombreuses créatures, grandes ou petites, habitent ces plaines. Certaines sont amicales, comme nos Tauntauns, d'autres un peu moins. Oh, génial! Et vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de créatures un peu moins amicales quand on est arrivé? Nous avons été aussi prudents que les conditions nous permettaient de l'être. C'est parfait. Si je perds un bras, c'est de votre faute. Oh!
ancien avant-poste. Il doit y avoir une tour de signalisation ici. Super, des droïdes de reconnaissance. On ne peut pas les laisser quitter la surface. Encore ? Oh, on dirait que l'Empire aime vraiment observer la neige.
C'était pas mon ventre, en fait. Restez sur vos gardes. Une en moins, mais le signal est encore trop faible. Trouvons d'autres tours. Les tours de signalisation sont recalibrées. Je devrais connaître sa position d'ici peu. Je suis là aussi, sinon. Merci, Riekan. Restez bien au chaud. Super. Merci, princesse. Ne vous en faites pas. Vous vous remettrez de cette douche froide. Ah, parce que vous vous croyez au-dessus du lot. Laissez-moi rire.
et donne-moi ça tout de suite. Je vais être gentil, je vais vous laisser grimper cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Un wampa. Raison de plus de se dépêcher. Très bien, maintenant de la dernière. Luke est toujours quelque part. J'ai pas vraiment le temps de discuter du menu avec toi, Shui. Hey, tu penses pouvoir faire marcher ce truc? Ces canons pourraient s'avérer utiles. Hey, tout le monde n'a pas la chance d'être couvert de poils. Termine plutôt de réparer le faucon. Il m'a raccroché au nez. C'est bon, on a eu chaud. Enfin...
au sommet pour la recalibrer. Toutes les tours fonctionnent, et on dirait qu'elles ont déjà retrouvé la position de Luc. Alors qu'attendons-nous? Allons le trouver avant que les conditions météo n'empirent. Luc, tu es là? Allons voir, mais gardez la tête froide. Ouais, comme si on avait d'autre choix. Dans le système d'Agobah. Hein? Là-bas, tu suivras l'enseignement de Yoda, le maître Jedi qui m'a formé. Ben! Ben! Luc! Ben! Ben! Oh. Oh. Maître Luc, c'est une joie de vous voir de nouveau opérationnel. Merci, C3PO. Eh bien, Altesse, on dirait que vous avez réussi à me garder encore un peu dans le coin. Où votre cerveau laser va-t-il chercher des illusions aussi stupides? Oh, tu peux rire, boule de poil. Princesse, nous avons un visiteur. Tu ne penses qu'avec ton estomac? Un droïde sonde impériale. Je l'ai à peine touché, il devait être muni d'un système autodestructeur. Général, une flotte de destroyers stellaires émerge de l'hyperespace dans le secteur 4. Préparez-vous pour une attaque au sol. Vous savez quoi? J'ai reçu de nouvelles informations.
Entendu, R2. L'Empire approche. Il faut qu'on monte à bord d'un Snowspeeder, et vite. Tous les porteurs de troupes à l'entrée nord. Les transports lourds partiront aussitôt chargés. Deux chasseurs d'escorte par vaisseau. On ne peut désactiver le champ d'énergie qu'un bref instant. Alors encadrez bien votre vaisseau. Deux chasseurs contre un destroyer stellaire ? Les salves du canon à ions feront en sorte d'écarter les vaisseaux ennemis de votre plan de vol. Une fois que vous aurez franchi le champ d'énergie, gagnez directement le point de ralliement. Compris ? Bonne chance. Il est loin d'être en parfait état. Mais on peut le réparer. Pas vrai, R2 ? Super. Le moteur est comme neuf. En revanche, il nous faudra une nouvelle aile si on veut voler. De nouvelles informations ont été stockées dans ma base de données.